Ok, alors, dans la fabrique, sous-sol, on va devoir prendre des documents qui nous permettront de savoir un peu ce qui s'est passé sur cette base pour donner au chef, je pense. Enfin, voilà. Donc, bon, on va passer, hein, si jamais. J'arrive plus à parler. Je vous expliquerai un peu tout ce qui va se passer. Alors. Comme c'est une suite de missions, et ben, on peut rien prendre. Hein, je mets des armes, je peux pas. Donc, peut-être que tout d'abord, je vais me présenter. Enfin, je vais faire ma petite intro du début. Hein, hello tout le monde. alors, c'est Python 44, et puis on va se retrouver sur le Hidden Dangerous 2, épisode 2. Donc, si vous n'avez pas regardé l'épisode 1, je vous le conseille pour voir comment c'était au tout début, parce que c'est quand même une certaine suite, hein, donc voilà. Alors, ben, je pense qu'on va continuer. Et donc, je m'excuserai pour ma voix, hein, qui est un peu bizarre aujourd'hui, parce que j'ai un rhume. Et donc, voilà. Bon, c'est déjà un peu mieux que, hier, mais c'est quand même, un peu... un peu chiant, voilà. Donc notre personnage rentre dans le sous-sol. Nouvelle mission, on doit analyser tout le complexe souterrain. Et puis on doit faire des photos sur des matériaux, des trucs différents de l'aérodynamisme et tout ce qu'il y a avec. Donc écoutez, je pense qu'on va rester sur le Delice CCI. Oui, j'aime bien son nom. Donc cette mission, vous allez voir, elle est ultra chaude. Il faut vraiment être le plus silencieux possible. Dans la première mission, c'était quand même un peu chaud aussi, mais voilà. Là, faut être ultra doucement. On va ouvrir cette porte. Il y a un garde. Ok. Doucement. Oh, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait? Il traverse la porte. Bon. On va prendre ses clés. C'est bizarre. Bon. Il y a un petit bug alors. Vous m'excuserez pour le bug. Alors on va le prendre. Voilà. Je pense qu'on va le poser ici. Ah! Bah je me suis fait aggro. Bon, bah vous m'excuserez, mais je dois recommencer parce que je sais pas, il y a eu... C'est bizarre ce bug quand même. Hein. Voilà, il va se lever. Ah, il ouvre. Le bug a été corrigé. Donc, j'aime bien l'animation de tir. Sérieux, elle est bien faite quand même, hein. Le gars qui gicle. J'aime bien. Ok. Bon. Alors attendez deux secondes. Excusez-moi, juste été boire quelque chose parce que là, j'avais un peu soif. Donc, on va reposer Mister Garde. Écoutez, on va fermer là. On va pas fermer l'autre porte parce que ça donne l'alarme, je crois. Maintenant, on va faire hyper doucement. Ok, la porte qui lui traverse. Pourquoi je peux pas passer? Allez. Petit bug de...
Recharge. Alors. Donc je pense que c'est quand même normal qu'on trouve 2-3 petits bugs, hein, parce que quand même pour l'année qu'il a été fait, la date, je veux dire, aussi qui a été fait, ben c'est vraiment quand même incroyable, hein, pour dire. Alors attendez. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Ok. Alors lui c'est je pense un professeur de ben de qui fait des tests d'aérodynamisme et tous des trucs du genre. Lui ben c'est un garde. Attendez, est-ce que j'ai mes jumelles? Non. Dommage. Bon je traduirai pas ce qu'ils disent hein, parce que voilà. On va prendre les jumelles. Vous voyez? Pilier. On va y aller ultra doucement. Donc, là ils sont en train de discuter. Je sais pas s'il y a un qui va partir ou. Attendez, juste toi. Là y a rien. Là c'est genre une petite salle, là, rien du tout. Puis cette porte, je crois pas qu'on peut l'ouvrir. Bon, on peut pas. Bon, alors, il part. Ok. Enfin, j'espère qu'il fait pas des petits tours ici. Non, il fait pas de tour. Alors, lui, c'est le premier qu'il faudrait le tuer. Mais le truc, c'est que, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Genre, ok, ici, il y a une porte. Enfin, il y a... Donc, d'abord, je pense qu'on va faire une sauvegarde. Ça serait déjà peut-être une bonne idée. Ah, il y a l'ombre. Ouais, c'est peut-être un... On sauvegarde. Et maintenant, on se concentre. Alors, d'accord. Ici, il y en a un. Est-ce qu'il vient ici? Non, ok, il fait des tours. Donc ça va être chaud, parce qu'il pourrait voir que le gars est mort si je lui tire dessus. Donc, comment on va faire? En plus, je crois que derrière, il y a encore d'autres portes, donc ça va être vraiment chaud. Et puis il y a l'autre là-bas encore. Vous voyez? S'il se retourne, et puis qu'on est genre derrière lui, bah, il peut nous voir en fait, ça. Donc attendez. Faut que j'examine un peu la situation. Comment faire? Il n'a pas l'air de retourner l'autre. Hein. Donc je pense qu'il a fait ses tours. Allez, on tente. Non, il a entendu. Je crois que... Personne. Vous voyez. Oh là là. Ça a été chaud. Bon. Au moins. Dès que lui il part un peu plus loin, ça va être bon. Lui il y a ce docteur. J'ai vu qu'il a vu que j'ai tiré. Mais. Il a pas actionné l'alarme, je pense qu'il avait peur et puis il s'est couché par terre comme une grosse. Comme une mauviette quoi. Donc attendez. Voilà. Lui. Ouais, voilà. Ouais, il se couche en fait. Donc c'est déjà bien. Puis ensuite ici, j'ai pas l'air qu'il. Ah, je me suis fait aggro. Ok. Aggro ou pas? Pas aggro. Ici il y a des dynamites. Alors faut les prendre. Vous allez voir, ils vont. Ouais, je peux pas tout prendre. Alors attendez. Je me suis pas fait aggro, c'est déjà bien. Parce que c'est ultra chaud. Hein. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux enlever, sérieux? J'ai tout besoin. Tout, l'appareil photo c'est le plus important pour cette mission. Les jumelles. On pourrait les enlever, hein, on est obligé. Mais je peux même pas les prendre, quoi, lol. Attends.
tout. J'ai besoin de tout. Vraiment de tout. Ben, je pense qu'on va... On est obligé d'enlever. On en garde un. Voilà, on a juste besoin de... Ouais, on peut pas les prendre. Donc j'ai juste besoin de 4, ouais. Et là, on peut prendre les munitions. Et attendez, maintenant, je vais remplir aussi les munitions de l'autre. Ouais, je crois que... Maintenant, ce qui va être chaud, c'est que... Eh ben... Lui. Et lui. Et puis là, il y aura l'alarme. Comment ça se fait, je ne sais pas. Là, il n'y a personne. Oui, il y a l'alarme aussi. Donc si on entend l'alarme, c'est que... Voilà. Là, il y a un gars, mais je pense pas qu'il est... Bon, je vais me promener accroupi, c'est bien. Ouais, ici on peut prendre les dynamites, mais d'abord je vais voir bien partout. Oh, je vois que ma vie est pas au top. Ok. Bon, alors là, ah bah faire une photo. Vous voyez ici l'aérodynamisme. Voilà, merci. Ensuite, recharger, c'est bon. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chien au sous-sol. Oh putain. Est-ce que j'ai sauvegardé? Eh non. Tourne ici en fait. Voilà. Bon, maintenant, bon ça c'était le l'étage qui est tout en bas. Alors attendez, mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon. Parce que maintenant j'ai plus de sauvegarde pour cette partie. Alors, voilà. Ici c'est l'alarme, faut surtout pas enclencher parce que sinon tout le complexe. Voilà, ici y a le truc, ok. Je pense que j'ai tout fait. Oh putain, j'ai plus à parler. Je pense que j'ai fait le tour. On peut, je pense, se diriger vers le deuxième étage. Ça va être aussi chaud, hein, je pense. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a? Rien. Là, on va y aller tout doucement. Ok. Il y a une porte ici. On va passer après par ici. D'abord, on va juste voir là. Et là, je pense qu'on va passer à ça. Fait du bruit. Pas gros. Ok, personne là. On part. Salut. Bon bah ok. Hop, il y a personne. Voilà. On dirait qu'il vient de sortir des chiottes. Bon,
bonne nuit. Le gars qui est mort aux chiottes. La vie la plus... Enfin, la mort la plus... la plus dégueulasse, quoi. Bon bah, je crois que je me suis fait aggro, mais... Voilà. Ok, c'est tout. Pas fait aggro. Bah lui, j'ai envie de me le faire au... Au délice le CC. Oh là là. Donc il y a le 1, 2, 3. Donc ça fait que... Enfin, pas que, mais ça fait 3... 3 endroits. Maintenant, je pense qu'on va revenir au Sten. Ok, là c'était l'endroit où j'ai tué le gars là, qui était en train de dormir. Là, je me suis fait aggro. Sten. Faut toujours prévoir assez de munitions. Là, je pense qu'il faut faire une photo à ces trucs. Voilà. Alors... Ah non, il y a encore 2-3 trucs encore, c'est vrai, ok. Oh, j'entends une porte. Je sais pas si c'est les portes derrière moi qui s'ouvrent. Peut-être. Non, pas si, non. Par où il m'a eu? Putain! Attendez, maintenant, je vais rajouter des munitions. Merde, ça c'est pas bon. On sait, il y a pas encore beaucoup de personnes. Ça c'est l'alarme. Attendez, faut que je me soigne là. Il est où déjà ce détecteur? Enfin, pour éteindre. Ah ouais, là, voilà, là il y en a un. Voilà, on peut l'éteindre. Comme ça, les autres, je pense qu'ils... Ouh. Alors. Je te vois. Quel crétin. Quoi, putain? Et où un autre gars? Ah oui, faut peut-être que je prenne les photos du truc. On a essayé les trucs, ok. Mais qui d'autre, sérieux?
Moi, je vois personne. C'est bizarre. Je les ai tous sur là. Putain, mais y en a combien? Ils sortaient d'où? Putain, mais ils sortaient d'où tous ces gars? Donc je les ai peut-être pas tous. Ah, c'est bon. Ouais, bah c'est bon en fait. Il y a personne, ils disent maintenant. Lol. Montre-la en fait. Bon, bah voilà. Alors attendez. Maintenant, on va faire un point. Déjà, il faut qu'on voie bien où positionner. Parce qu'on a 5 minutes de temps avant que tout explose en fait. Parce que il y a un compteur sur leur truc. On regarde bien qu'on ait tous les. On en a 4, ok, c'est nickel. Alors ici, on va pas y aller. C'était où déjà l'autre? Putain, je me rappelle plus. Je sais qu'il y en a un juste au premier étage. Il était ici, ok. Voilà. Il vient d'apparaître. Je le mets. Faut pas que je me fasse parce que après je dois tout recommencer. Vous voyez, j'ai 5 minutes, vous voyez en bas à droite. Et 5 minutes pour m'enfuir. Putain, faut peut-être que je passe au bon endroit. Et je dois mettre encore les 3 autres. Alors. Je sais les autres où elles sont, donc ça va être encore assez facile si je me faille pas. Putain, j'arrive plus à passer. Voilà, c'est ici. Il peut peut-être encore rien avoir. Voilà. Alors, on va mettre aussi 4 minutes 22. Ok, voilà. Et ensuite. On va le mettre ici, hein, ici, et haut. Ok, bon, ça va, on a encore le temps, mais faut quand même y aller. Hein. Encore plus qu'un. Juste là, puis c'est bon. Voilà, et c'est bon. Voilà, succès, et maintenant, ils me disent de remonter à la surface. Avec tous les succès, pratiquement juste un pour dire que je dois partir, je dois remonter en haut. Voilà, c'est terminé. Ouh, voilà, une petite intro. Voilà. Voilà, c'était quand même difficile. Hein. Surtout que je pense pas que je me suis assez concentré pour ce jeu. Faut vraiment que je me concentre pour les autres missions. Bref, voilà, alors on a encore gagné 0,5 kg de plus, la force pour se soigner, pour tirer et tout. Bref, c'était quand même une vidéo assez longue. Je vais quand même faire des coupures hein, des endroits, je pense. Et on se retrouve pour l'épisode 3. C'est toujours la même mission, ça sera la dernière partie, parce qu'il y en a 3 parties sur cette mission, après il y en aura plein d'autres. Et ben, la dernière partie va être... Et ben de s'enfuir en fait. On doit sauver le pilote. Donc voilà. Bref, c'était une vidéo, je dirais pas petite, mais grande quand même. De toute façon, je vais quand même couper quelques scènes. Puis on se retrouvera pour l'épisode 3. Comment c'est déjà? Attendez, c'est. Ouais, ben s'enfuir, voilà, s'enfuir. Bref, à plus tout le monde. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Bye. C'est bon, je me suis fait accro. Oui, le chien, le chien. Ok, c'est bon. Maintenant, il y a un autre gars, le maître. C'est bon, personne, ok.